Puis le matin, vous avez le soleil qui se lève, c'est extraordinaire. Et puis après, justement, là, quand le soleil se lève, vous voyez les animaux. Et puis alors, vous dites, comment je vais faire pour les approcher? Et au fur et à mesure que vous, de votre pratique, vous apercevez un jour, par hasard, que vous voyez les animaux, ça m'est arrivé. Vous arrivez, vous voyez les animaux qui sont là. Bon, ils vous ont échappé, et vous montez à l'endroit où ils vous ont échappé. Et vous vous retournez pour trouver l'endroit où vous étiez tout à l'heure. Et vous vous apercevez qu'à l'endroit où vous étiez, les isards ne pouvaient pas vous voir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un lac, que le soleil se reflétait dans ce lac, et ça éblouissait les isards. Là. Évidemment, il faut que le vent soit favorable. Mais ça, c'est extraordinaire, ça. Au bout d'un certain temps, d'avoir analysé cette situation.